après la bombe est placée. Et là, t'as pas trop de choix hein, quant à la bombe et pas de pif, on rappelle, hein, du côté de Ménat. Voilà, la bombe peut exploser n'importe quand, il a bien attendu. Le problème est que ça a sauté un peu tard. Là, oh, c'est les combos du trigger. Hop, hop, hop. Oh, reset en bas ! Génial ! Et là on est, eh bien on le met dans le corner, on recule d'un coup d'un seul, je pense qu'on a peur de ça. Tengu Stone, pas de choc pour le moment, c'est la pression. Cross up qui est bon mais la garde est toujours relativement solide. Les Tengu Stone du coup seront partis, on aura tout mis en garde. Et là on va toucher, on a Tia, ça connecte. Est-ce que ça sera suffisant cependant? J'ai bien l'impression que oui. Kaboom. Donc c'est tant mieux, on a une barre de EX en plus, une petite erreur et c'est une Dolphin. Et là on le tient de loin, en effet on gratte la barre grise d'air qui se fait avoir, on saute dessus, on a le temps de mettre la garde. Attention, et on le tient de loin, on ne veut surtout pas laisser approcher finalement. On a Rickmans qui est fortement en avance, sauf qu'attention, on l'a déjà vu, hein, est en avance à l'énergie et se faire comeback d'un coup d'un seul sur quelques petites phases. Sauf que là pour le moment on ne laisse absolument rien passer. Il joue de façon très lucide, mais sniper dans les pieds, il cherche sa super, attention, il est vraiment en train de chercher sa super, avec activation V-Trigger, il le sait Phenom, faut qu'il garde loin, voilà.